Nous avons pasteur Edmond, le berger du ministère Mission pour Christ, qui vient juste de fêter ses 5 années d'existence. Depuis le vendredi 29 juin, samedi 30 juin et aujourd'hui dimanche 1er juillet. Je voudrais ici que le pasteur, qui est l'organisateur principal de cet événement, nous donne à chaud ses impressions après tout ce qui vient de se passer. Amen. Amen. Et derrière lui, vous voyez aussi l'ancien Alou qui est un de ses conseillers. Alléluia. Oui. Amen. Bon, mais merci. Je crois que c'est un sentiment de satisfaction. Nous avons réussi le pari. Amen. L'Église Mission pour Christ, notre objectif, comme on l'a dit, il fallait qu'on attende 5 ans. Après ces 5 ans, qu'on marque un pas pour voir comment Dieu, les merveilles que Dieu avait faites dans ce ministère. Alléluia. Il fallait lui dire merci et inviter nos amis, nos frères, nos collaborateurs pour Amen. Pouvoir célébrer le Seigneur ensemble. Alléluia. En fait, ce n'était pas célébrer seulement 5 ans, mais c'était dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pendant ces 5 ans. Gloire et à Dieu. Dieu merci, quand il est devant, la Bible dit quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Alléluia. Tous ceux qu'on a invités sont venus de partout. Des hommes de Dieu sont venus de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Ce matin, on a reçu des hommes de Dieu qui sont venus du Burkina. D'autres sont venus de l'Europe, de l'Italie, de Alléluia. La France. Alléluia. Et des États-Unis un peu partout. Mm-hmm. Hier, il n'y avait pas de place. Aujourd'hui encore, il n'y avait pas de place. Le vendredi, nous avons eu deux conférenciers. Ralph Godfrey qui est venu de Ohio et qui a des ministères en Afrique. C'est une bénédiction. Rassembler Amen. En 3 jours près de 30 et quelques pasteurs, je crois que c'est une grâce. Alléluia. Et nous sommes satisfaits. Ça nous donne encore la force, non seulement de savoir, même si on le savait déjà, que Dieu est avec nous et les années encore qui arrivent, je crois que nous voulons faire mieux. Parce qu'il y a une seule personne que nous voulons faire plaisir, c'est Jésus-Christ, Alléluia. C'est son œuvre. Et nous lançons encore un appel Amen. À tous ceux qui, ici, n'ont pas d'église, de venir célébrer Jésus-Christ Alléluia. Avec nous tous les dimanches, tous les jours, et que la joie encore pendant ces 3 jours puisse continuer chaque jour et chaque jour. Vraiment, je remercie les fidèles de Mission pour Christ, les anciens, mes collaborateurs. Ils ont été au four au moulin pendant Amen. Tous ces 3 jours chauds. Chacun a été à son poste. Amen. Et l'amour, j'ai vu l'amour, j'ai vu l'unité qui était Alléluia. Prêchée ici. Et ça a été ressenti. Et je peux dire et confirmer que la gloire de Jésus est descendue. Au nom de Jésus. Merci, pasteur Edmond. Merci, ancien Alo. Je sais que tu es aussi de même avis que le pasteur. Amen. Donc, voilà. Restez bénis et que le Seigneur Jésus se glorifie dans tout ce que vous faites. Amen. Amen. Amen.